1981, l'université de Corse sort de terre à Corte. Pendant les 20 premières années de son existence, elle s'installe. L'enseignement se limite d'abord au premier cycle en droit, sciences et lettres, puis s'étoffe petit à petit avec la création de l'IUT en 1984. Au début des années 2000, l'université prend un virage avec la décentralisation et le renforcement des compétences de la collectivité territoriale. En 2004, la première année de médecine est créée, puis l'école d'ingénieurs Paolitech en 2011. Objectif affiché, permettre à chaque néo-bachelier de faire les études qu'il souhaite en Corse, répondre aux grands canaux de la recherche internationale et aux besoins du territoire, en privilégiant les projets comme Stella Mare et par exemple spécialisé dans la ressource halieutique. Des projets qui rejoignent les actions menées par la collectivité avec qui l'université reste en contact permanent. Bon nombre des responsables politiques d'aujourd'hui y ont d'ailleurs été formés. De 711 inscrits l'année de sa création, l'université de Corse est passée à 4600 étudiants l'année dernière et ses effectifs croissent d'année en année. Pourtant, avec 70 millions d'euros de budget annuel, elle reste une petite université pluridisciplinaire qui a vocation à le rester.